Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi
non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, voilà. La semaine sainte commence. Le Seigneur est accueilli comme le véritable Sauveur qui vient libérer son peuple de ses péchés. Lui rendre sa liberté, redonner la vie au monde. C'est la dernière étape de notre marche de carême, l'étape décisive qui nous fera essayer de mesurer l'amour infini et non mesurable de notre Dieu. Les textes que nous lisons nous montrent bien le sentiment qu'il anime au moment d'avancer vers son martyre. Isaïe nous dit « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Notre Seigneur est vraiment celui qui vient. Mes frères et sœurs, saurons-nous le reconnaître comme la femme dans l'Évangile qui n'hésite pas à verser tout son parfum le plus précieux sur ses pieds pour lui signifier son adoration? En effet, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui ici-bas et là-haut dans le ciel peut avoir une once de valeur qui arriverait à la cheville de ce roi, ce Dieu unique qui décide de se faire complètement homme sans le péché pour nous donner sa vie? Marie-Madeleine, apprends-nous à aimer Jésus, toi qui l'as connu et toi qui le connais depuis qu'il t'a faite en Éden. Que cette semaine sainte soit l'occasion providentielle d'aimer Jésus, de l'aimer plus que tout, sans rien attendre, sans rien demander en retour, juste lui dire notre amour, notre passion pour lui, notre action de grâce. Amen.